Dans ce tutoriel vidéo, nous allons vous montrer comment vérifier l'ordonnance d'un patient en CMU. Tout d'abord, recherchez le patient à l'aide du bouton en haut à droite. Et cliquez sur le bouton « Accès patient ». La fiche patient s'ouvre. C'est la partie complémentaire qui nécessite votre attention. La CMU est placée dans le cadre complémentaire du patient. Cette information est généralement donnée par la lecture de carte vitale ou l'appel à la DRI. Une fois la fiche patient paramétrée, veuillez vous rendre dans l'onglet « Ordonnance ». Le paramétrage de l'ordonnance doit être enregistré de la manière suivante. La nature d'assurance sur maladie. La part complémentaire transmise doit être cochée. L'information du type de CMU s'affiche. Et le tiers payant doit être sur C+M. Et voilà, des tutoriels sur les autres principes de remboursement comme le TPI-ACS, l'accident du travail, la maternité et l'AME sont disponibles sur notre chaîne YouTube. À bientôt !